Ohio, c'est Gunch de la Fémastie, bonjour à vous. Alors, épisode 2 de Space Ingénieur, je dois survivre. En gros là, je sais pas si vous voyez mon vaisseau, avec un gros soleil. En gros là, il y a ma passeur. Et en gros, j'avais pas vu qu'il y avait, on va dire, une sorte d'entrée là. Je sais pas pourquoi, mais je crois qu'il y a des galeries en fait, déjà formées dedans. Donc je sais pas si c'est ça, cette couleur. Ah, du Golbat! 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 On tourne ce pas. Merde, je vais appuyer sur le côté. Ça vole tous les côtés. Voilà. Et pour info, je sais pas, peut-être que je pourrais motiver des personnes de la team à venir revenir sur le jeu, vu qu'on se l'a acheté à propos tout ça en même temps. Enfin, pour certains qui nous avaient acheté avant et d'autres qui ont suivi. En gros, faire une partie de survie tous ensemble, ce serait pas mal. Donc voilà. Peut-être dans les prochaines vidéos il y aura quelques personnes. Pour l'instant je suis tout seul sur ma petite party. Alors, je crois que c'est encore une manière. Ce qui est rassurant, c'est que je pourrais faire des armes et des munitions. C'est déjà ça de prix. J'ai vu que j'avais du colbat. Je crois que c'est la couleur, c'est là. Je suis pas sûr. Ah si, c'est ça. Hop, tiens. Alors, je perds le temps. Je suis dans toutes les directions. Non,
va être chaud ça. Bon, j'ai trouvé pour le code badge, j'ai bien peut-être trouvé pour la silicium. Ah, ça c'est que du automatique. C'est super sympa. C'est affreux. Yes, du silicium. Du silicium, du silicium.
Ok, c'est sauvegarde d'aller tout le temps, c'est chiant. Oji, c'est chiant. Ah, c'est là, je crois. Ouais, c'est ça. C'est le gros trou. Où est la sortie?
c'est les trois ici quand même. Perdu. C'est vraiment compliqué ces mines. Oh là là. Je sais pas comment je vais me repérer ici. C'est moi là. Moi je tourne en rond tout à l'heure. Je suis à 25% de vie, enfin de pourcentage de... On va passer par là. On va passer par là. Oui. Là, je suis pas trop loin de la sortie. Au pire, je vais faire un trou. La fin des haricots les mecs. Ah vas-y. Allez. Laisse-moi sortir. Je suis où? J'arrive. C'était vraiment ardu, hein. Ouais, je vous dis. Compliqué, hein. Ah, son garde ouf. C'est vrai que je suis en train de me rassaut. Alors. Ok, bah, tiens. Du fer. Et si, il passe en première. Thank you.
générateur. Alors, je crois que c'est le 3. Direct. Oula. Ça c'est le générateur à énergie. On dira fabriquer ceci qui va nous être très utile au fil de l'épopée. Alimenté en urine. Encore une bouche d'orée. Donc voilà. Le premier générateur nucléaire de cette base est fini. Donc, évidemment. Je flotte. En gros. Hop, je commence à G. En gros, il faut trouver générateur de gravité. Qui est ici. Et là, vous prenez ce petit machin, vous mettez là. Hop. Ça. Hop. Et normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Normalement. Enfin, normalement. Et non. Donc, gradé, moteur. Aïe 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 non non. Ouf. Ouf. Ça sert. Waouh. Alors. Ah si, on peut commander ici hein, depuis le cockpit. Hein. Bon, on fait ça. Tiens, je vais avancer un peu. Je peux faire des grands saletés de retour, aller-retour. Non. Ah. Il faut donner une certaine poussée, c'est un... ça l'a poussé en fait dans ce jeu. Vu que c'est des réacteurs, logique. Alors. Alors, le collecteur ici, par en fait.
ça s'aspire. Donc là, l'inventaire. Bâtiment, ça attend qu'on doit monter, c'est encore plus long, c'est chiant. C'est très chiant. Donc voilà. Alors, faisons un petit épic. Enfin, j'aurais pas la voix. J'ai répété ce que j'ai fait. Donc, j'ai construit un petit générateur nucléaire. À côté, j'ai placé un petit générateur de gravité. Maintenant, il ne reste plus qu'à alimenter le petit générateur et comme ça je pourrais être sur la petite plateforme. Donc pour cela, allons chercher l'uranium. Alors, hop, j'en ai un peu pas mal. J'en ai passé pas mal. Hop, ça compte sur 6. C'est fait. Une chose de fait qui est pas mal. Je sais pas si je pourrais faire un quand même un truc pour. Du coup si j'aurais pu l'assembler. Oh, bref. On va regarder ça. Alors,
J'aurais été en sandwich sur le sol. Même pas. Un œuf qu'on écrase sur un mur, limite. Parce que la gravité est un 1G, donc en gros, si je tombe là, c'est comme si je tombais. Ben, comme réel. Alors, j'ai. Rentrer sur le de base qui sont sur le machin là, enfin sur le conteneur. En gros on a juste à aller à cette boule, tac. En gros il y a une mise à jour en fait, enfin je sais pas si c'était avant. Bref, en gros quand on met un conteneur là, il faut en gros ça fermer là, mais on pourra toujours accéder depuis là, enfin depuis trois faces là, pour l'instant. Juste à le sauter. Que nous faisons maintenant. Donc là, ça c'est rapide, non? C'est une petite chose que. Donc en gros, voilà. Donc, avec ceci, ça fait ça. Ok. Alors là, en fait, par exemple, si c'était l'uranium, je pourrais le mettre là-dedans. Comme c'est pas de l'uranium, je ne peux pas. Donc, ça, c'est... Je pense que j'ai assez de temps pour... Ouais, on va faire ça. En fait, comme c'est un peu long de couper ça, je reviens tout de suite. Dans quelques instants. Et voilà, j'ai transféré mon petit medical room sur ma petite plateforme, comme vous voyez. Donc voilà. Donc cela étant fait, c'est bon. Donc voilà. Donc bah, sur ce, je pense que ça suffira pour l'épisode 2. Vu que l'épisode 2 il a duré un peu longtemps là. Donc voilà. Mais je vous dis à plus tard pour l'épisode 3. Bye bye!